Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un test du Meza Boogie Mark 5. Mark 5. Je vais utiliser cette guitare-ci, ma BC Rich Mockingbird, pour faire le test. Celle-ci est accordée un demi-ton en bas de ce qui est de la normale, ou en E bémol. Excusez, pas E bémol, ça c'est en anglais, ça. Voyons, en mi bémol. My guitar is tuned in E flat. Oui, là-dessus, je ne sais pas si je l'avais dit, en tout cas, je le répète, là, oui, le pick-up, c'est un DiMarzio Tone Zone. Le micro de pont. Donc, il y a du stock pas mal sur cet amplificateur-là. Vous allez voir que, en tout cas, il y a gros du stock. On y va. Le fameux Meza Boogie Mark 5. Je vais commencer la démonstration sur le clean, celui-là qui est le channel, the green channel, comme on dirait en bon anglais. C'est le canal qui est le plus doux. Je me mets en position, je mets sur ma guitare, je suis sur le micro de manche. I am on the neck pickup. Ici, il y a un interrupteur qui indique, qui donne le choix entre clean, fat et tweed. Je suis présentement sur le clean. Ici, il y a un interrupteur pour si on veut que l'égalisateur qu'il y a ici se retrouve soit présent dans le son du canal en question ou pas. Et ici, on peut choisir le wattage du canal, 90 watts, 45 watts ou 10 watts. Présentement, l'égalisateur n'est pas dessus et il est à 90 watts. The EQ isn't on. Je suis surpris, c'est vraiment clean pour tout de suite, t'es gars là, mon Dieu Seigneur, t'as rien qu'à t'y mettre un effet de chorus là-dessus, puis l'affaire est tiguidou, tout de suite. Bon, je vais continuer l'exploration, mais tant qu'à moi de rester là déjà, là, ça serait très bon. Tous les canaux ont un gain master, présence, treble, middle et bass. Tous les canaux ont trois interrupteurs. En arrière, ils ont chacun leur potentiomètre de reverb. Lui, on entend qu'il y en a. Il y en a quand même déjà pas mal. Oh, finalement, mon output est un petit peu haut ici, là. Il est supposé être doux, fait qu'on va dire que c'est pas trop pire. De toute façon, il était pas. Thank you.
Je vais jouer avec le premier interrupteur. Je vais le mettre à FAT. Je vais essayer de revenir à clean. On comprend assez vite qu'est-ce que ça veut dire. On va aller à la troisième position, le tweed. Oh oh! C'est déjà... On est sur le channel qui est supposé être le doux, là, le vert. Il y a aussi, c'est vrai, j'avais oublié d'en parler, qu'il y avait un autre interrupteur dans le milieu qui donne un choix entre normal et bold. Là, j'étais à normal. Bold. Je l'assais-tu avec vite mais très très vite. On va essayer ça sur le micro du pont de Bridge Pickup. Remettre ça à normal. Je le remets à bold. Ouais, bold, ça rajoute de l'autorité, tiens, j'aurais envie de dire, là, m'ont utilisé du gros langage, là. On s'en occupe pas de ça, ça nous concerne pas, ça. C'est ça, c'est comme ça donnerait de l'autorité un petit peu au canal sur celui-là, en tout cas, là, c'est ça que c'est l'effet un peu que ça donne. Je vais le mettre à fat, toujours sur mon micro de pont. I'm still on the bridge pickup. Je vais maintenant me mettre à bold. Thank you.
normal. L'effet paraît moins sur quand on est sur l'option fat, là. La différence entre bold et normal paraît moins. Je vais me mettre maintenant à tweed. On va se préparer à rock and roll probablement. Je vais actionner le bold. Je reviens normal. Bold. C'est subtil la différence là. Et c'est là où le bold a le moins d'efficacité tant qu'à moi. Est-ce que je mets le l'EQ dessus juste pour le fun de rire? Là, du coup. Bon, je l'enlève. L'EQ est dessus. Ça améliore pas nécessairement bien beaucoup, bien la le son. On voit que ça fait à 45 watts. Il y a bel et bien une baisse de volume, mais il y a aussi une compression et on voit que c'est comme si ça faisait travailler l'amplificateur plus fort. Mettre à 10 watts. Puis, justement, je vais continuer en... On est rendu en arrière de l'amplificateur. Ça, c'est les trois potentiomètres de reverb pour chacun des canaux. Ça, c'est pour choisir quel canal qui joue. Ça, c'est pour l'effet loop là, là-dedans. Ça sert absolument à rien pantoute là-dedans. Là. Je pense bien, t'es quoi, là? Je sais pas si ça sert à quoi dans cette émulation-là, par exemple. Ici, on peut faire fonctionner les lampes en pentode ou en triode. En triode, ça devrait là, être encore plus...
on est presque rendu à du. On est presque rendu à du. Voyons, du classe A, là. Là, présentement, là, c'est un. C'est cette lampe-là que je viens de rentrer dans le circuit, là. Et qui sert de rectifier. Parce que d'habitude, c'est une diode. Ben, pas d'habitude, mais là, avant, c'était une diode. Bon. On va justement remettre ça en pantode. On va explorer le deuxième canal. Oups, c'est par ici pour aller en avant. Je peux changer les lampes si je veux. Regarde, on voit que les lampes changent. Les lampes normales, c'est des 6L6, mais on peut changer pour des EL84. C'est vrai, j'ai oublié de parler du cabinet et des haut-parleurs. Le cabinet, c'est un 2,12, 2,12 pouces ou 2,30,5 cm. Et ce sont des ce que Mesa Boogie appelle des C90 ou des Black Shadow. C'est un autre nom pour les mêmes haut-parleurs. Ça, la fonction solo, là, c'est pour ceux-là qui font des solos justement en spectacle pour que le son du solo soit plus probant. Mon Dieu. Déjà. Bon, le canal numéro 2. Ça commence avec Edge, la première item ici sur le ce voyons, c'est pas un potentiomètre, c'était interrupteur. Excusez, j'avais un blanc de mémoire. Ça commence avec Edge, au milieu c'est Crunch, et complètement en bas c'est Mark One. La première version de cette série d'amplificateurs-là faite par Mesa Boogie. Ensuite, c'est encore l'interrupteur pour avoir les. Reste, je pourrais bien le. Sculpter un peu plus, c'est pour savoir si on veut que c'est ça, que l'égalisateur soit dessus ou pas. Puis il y a l'interrupteur ici pour le wattage 90, 45 et 10. Et ici, c'est entre normal et thick, ou plus épais, là, les gars. Ça sonne étrange en québécois, mais en tout cas. Donc, on va commencer ça. Edge tout court, pas d'égalisateur, 90 watts à normal. Sur le micro du pont. On the bridge pickup. Essayer le thick. Personnellement, là, j'aurais envie de faire un petit peu ça, là, puis d'y rajouter de ça, celui-là, là. Vite même, là. Oh, je reviens à normal.
Bon, on va aller maintenant sur le mode crunch. Venir à Edge. Crunch. C'est d'y engager le thick à cette heure. Normal. C'est un petit peu plus. Encore une fois, cet interrupteur-là semble moins fonctionner sur les autres modes. C'est plus. Ça semble plus fonctionner. Ça donne plus de quoi sur le premier mode, le Edge. Je viens de mettre le mode Mark One. Je vais actionner le thick. Normal. Ça change pas grand chose là, non plus. Les autres affaires, on les a un petit peu essayées. En tout cas, je peux bien mettre l'égalisateur est dessus. Enlève.
avec l'égalisateur. Vu que ça enlevait beaucoup de mid dans un certain sens, ouais. Peut-être qu'il faudrait pas que je m'enlève autant. Bon, ok. On va changer de canal. Oh, c'est donc vrai. C'est ici, là, pour revenir en avant. Bon. Lui, les trois modes sont le Mark 2C, Mark 2C plus, Mark 2C plus, le Mark 4, Mark 4 et le Extreme. Ici, c'est l'interrupteur, c'est entre normal et bright. Les deux autres interrupteurs ici sont pareils à ceux-là d'ici, là, pour l'égalisateur. Oups, je vais l'enlever justement. Entre l'égalisateur et la puissance, là. Donc, je suis toujours sur le pont, le micro du pont. I'm still on the bridge pickup. Je vais engager le Bright maintenant. Sans le bright, on va revenir au normal. Quand il est en. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'égalisateur dessus. Je le préfère avec le Bright qu'en normal. Là. Je vais maintenant mettre l'égalisateur. Essayer le bright dessus pareil, en plus de l'égalisateur.
normal. Bon. Je vais maintenant enlever l'égalisateur et je vais me mettre au mode Mark 4. Mark 4. Je vais mettre l'égalisateur. Avec le bright à cette heure. Ça paraissait, là, je trouvais, moi, la différence entre le premier mode et le deuxième, là, ça, beaucoup. On va aller, on se dépêche, on va à l'extrême maintenant. Il y a plus de volume, celui-là. Presque chirurgical celui-là. Il y a plus de gain, il y a plus de distorsion, il y a plus de volume. Je vais mettre l'equalizer dessus. Ouais. Je vais mettre le bright vite mais là, j'ai quelques secondes. On va aller au mot de la fin. C'était probablement l'amplificateur Meso Boogie qui a le plus d'options disponibles. Le fait là, d'être triode pentode, ça marche sur les trois canaux. Je vais pas jouer bien fort avec le niveau du reverb non plus. C'est toutes des affaires que j'aurais pu en tout cas essayer là, comme option ou comme chose à essayer dessus là. Mais je suis quand même satisfait là, sauf que c'était long, hein. Allez gars, que puis-je dire, c'est fallait ça. Donc,
Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la suite des vidéos apparaître sur cette chaîne.